Ok, ça fait super longtemps que j'ai pas joué, donc je me suis un peu des commandes, oui. On va monter juste un peu le son. On va pousser un peu la porte. Et on va se présenter, donc salut à tous. C'est moi, l'U9511. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode... Ok, je suis allé vérifier avant de commencer cet épisode et j'ai déjà oublié. Bah putain, je porte bien mon signe astrologique, moi. Le poisson, hein. Le cinquième épisode, hein. Donc surtout, si je me trompe pas, on se retrouve pour le cinquième épisode de Hitman Absolution. Donc dans le dernier épisode, qu'est-ce qui s'était passé? Bah dans le dernier épisode, si je me souviens bien, on est allé tuer celui qui donnait les renseignements à Dexter. Donc on est allé le tuer et une fois qu'on l'avait tué, on s'est échappé. Sauf qu'on était poursuivi par la police, sinon qu'on devait échapper à la police. Sauf que moi, vu que je suis une grosse brute et que la police, elle me casse les pieds dans ce jeu, j'ai zigouillé tout le monde. Même dans la boîte de nuit, hein. Le dernier épisode, c'était une boucherie. J'ai zigouillé tout le monde. J'en avais marre. Voilà. Donc, là, ce qu'on devait faire une fois qu'on avait échappé à la police, c'est retrouver Birdie, je crois qu'il s'appelle, celui qui nous aide, pour pouvoir le protéger, parce que Dexter a engagé un autre mec, là, le mec avec l'appareil dentaire, dont je ne me souviens plus le nom, pour le tuer. Et là, il y a trois hommes à lui qui est là, qui sont là. Et je dois les tuer. Alors, deux et trois. Ok. Alors, cette fois, je vous promets. Je vais peut-être baisser juste un tout petit peu. Je vous promets, cette fois, je vais essayer de faire la mission normalement. Parce que là, c'est une des meilleures missions de tout le jeu, je trouve, parce qu'elle est géniale. C'est tellement vaste. Alors, je sais plus lequel il fait un truc. Alors, si je me souviens bien, il y en a un qui passe son temps à fumer des clopes. Et ça, c'est génial comme mission, parce qu'en plus, c'est super dynamique. Attendez, faut que je... Oh, on peut se cacher. Faut que je trouve un endroit. Attendez, faut que je trouve l'endroit. S'il y a un endroit qu'il faut que je retrouve. Si je m'abuse, je crois que c'est là-bas. Attendez, on va aller voir. Poussez-vous. Ah, déjà, il y a un point. Point de contrôle. Attendez, est-ce que c'est là? Oui, c'est là. Parfait. J'ai retrouvé l'endroit. Alors, je vais attendre ici. Attendez. Voilà, c'est là, parfait. Attendez. Faut pas que je me foire. Ah non, non, c'est bon, non, je sais. C'est là que je devais aller. Se lâcher. En fait, je vais vous expliquer. En fait, il y a un des trois mecs. Il va venir interroger un passant. Il va venir interroger un passant ici. Et il va venir l'interroger ici. Et moi, je vais me faufiler derrière lui pour le zigouiller. Sauf qu'il faut que j'attende qu'il y ait... Oh merde, attendez, il vient, il y a une trace. Je vais me cacher dans cette poubelle. Caché. Donc là, on va attendre. J'ai envie de vous montrer ça parce que franchement, j'étais très content de trouver ça, c'était très très drôle. Le cadrage, justement, il est bon. Hein. Voilà, c'est là. Bon, si je t'ai dit Birdie. Ouais, c'est Birdie. Alors on va attendre, pas tout de suite. Vous voulez du poulet grillé? Mauvaise réponse. Ok, connard. Dernière chance. Où se cache le type qui se fait des birdies? Et son copain chauve, hein? Allez, fais pas ton timide, parle. Au revoir. Alors, j'ai du mal à l'activer. Et lui, vous voyez, il dit rien. Vous allez bien, monsieur? Une chute pareille serait fatale. Et ouais, ça lui a été fatal. Non. Ah. Oh merde, c'est vrai. C'est vrai, j'ai pas le droit d'être là. Ok, je m'en vais. Oui, je m'en vais, monsieur. Ok. Je crois qu'il allait m'arrêter. Alors attendez. Je crois me souvenir qu'il y avait aussi un truc à faire. Il y en a un qui se fait zigouiller par un flic, je crois. Mais alors là, bah, je crois que c'est là-bas en bas. Je crois que c'est là. Attendez, j'ai trouvé. Faut que je me cache. Ouais, c'est là. On peut dire ça. Aucun passé. Niet. À mon avis, c'est un ancien espion, j'en suis sûr. Attendez, faut que je trouve une poubelle. Là, parfait. Mon patron, on n'a rien à foutre de ça. Dites. C'est du beau matos que vous avez là. Ça me plairait bien d'en avoir une comme ça. Voilà,
dossiers sur Birdie. En fait, le mec est venu chercher des dossiers sur Birdie. Et moi, je les prends. Bah, regardez. En fait, le mec est venu chercher des informations avec le policier sur le Birdie. Et là, vous allez voir. Regardez, vous allez voir. C'est très drôle. C'est pas nous qui allons le tuer. Regardez, chut, écoutez. Et voilà. Alors. Hey. Tony, la ligne est sécurisée. Ouais, il y a un problème ici. Non, c'est un vrai merdier. Je sais pas ce qui s'est passé. Le fichier était là sous mes yeux, et la seconde après, eh ben, il avait disparu. Le type a flippé. J'ai dégainé son flingue. Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait? Et voilà. Non, ferme-la. T'es impliqué autant que moi. Ramène la camionnette. Oh, le mec, quoi. Ouais, faut qu'on balance son corps dans le fleuve. On n'a pas le choix. Ouais. Encore. Encore. Vous faites ça plusieurs fois. C'est censé être un flic, hein. Dites-vous bien, c'est censé être un flic, lui. Bon, tu dégages, s'il te plaît. Sinon, je te descends aussi, hein, comme ça. Donc, en fait, le flic avait donné des dossiers sur Birdie à ce mec. Donc, le mec qui travaille pour celui qui est censé le tuer. Sauf que, bien évidemment... Il lui avait donné les dossiers, et moi, je suis parti prendre les dossiers. Et donc, bah, il y a eu embrouille. Et donc, il l'a tué. Ah là là, c'est tellement simple. C'est tellement facile. Oh shit. Mais casse-toi. Merde, attendez. Casse-toi. Il n'y a pas d'autre sortie? Ah si! Oh ouf, j'avais fait peur. Ok. Ok, parce que là je me suis dit quand je sors là, parce que s'il fume devant. Et j'ai oublié de regarder avant de sortir. Une mauvaise idée. Je pense que c'est bon. Ok. Voilà. On en a tué deux. C'est pour ça que j'adore cette mission, parce que les façons de les tuer, mais c'est tellement jouissant. Ok, oui, ma dernière cible, elle est là-bas. Excusez-moi, pardon. Là, je vous avais dit, dans le dernier épisode, j'ai tué tout le monde, là, je me la joue très discret. Il est là-bas, ça je m'en doutais, il est en train de fumer sa clope. Et le problème, c'est que c'est une zone protégée par les flics. Et qu'on n'a pas, pas le droit d'y aller. Bon, je me cache. Tu sais, j'arrive. Oh, quel sushi très intéressant. Les sushis, c'est super bon. Voilà, maintenant j'ai envie de sushi, merci. Ah, mais il y avait pas un trou dans un mur? Ici? Non, je sais pas, c'est marrant, je suis débile. Et oh, ah si, là, il est là le trou. Pourquoi le mec il me suspecte? Oh, hé hey. Mais qu'est-ce que vous avez? J'avais une bouteille sur moi. Yeah. Donc le mec est là-bas. Ah, je pouvais saboter le truc qu'il y avait à côté aussi. Hop là. Alors maintenant pour sortir. Je pouvais aussi saboter ça. Ouais, il a saboté la pompe à essence. Non, je vais pas cacher son corps parce que là c'est trop dangereux. Bon, maintenant que j'ai fini, il faut juste que je me casse. Sauf que... ah, en plus la sortie est juste là. Parfait. Sauf que eux, ils sont là. Yes! Oh, j'ai réussi à sortir sans qu'il me voie. Nickel! Eh, là, moi je dis, mission parfaite.
Nickel. Alors là, génial. C'est qui le boss? Birdie, espèce d'enfoiré. Oui, il nous a trahis. Hein. Voilà, voilà. C'est vraiment le nouvel an chinois que j'ai plus géré, hein, on va le dire très clairement. Voilà, donc Birdie nous a trahis. Et c'est monsieur, c'est Wade là, qui nous recherche. Il nous a trompé, hein, parce que c'est un con. Voilà. On va le dire très clairement, hein, c'est un con. Bande de petits voleurs. Mince, j'ai oublié de vider ma mémoire. La mémoire de ma caméra. Quel con. Pourtant, je me suis dit. Pourtant, j'ai fait de la place, hein. Tant pis. Enfin, non, c'est pas grave. Je me suis rebelle. J'ai pas vidé ma mémoire, je sais pas si j'aurai assez de temps pour faire une vidéo assez longue. Ah, tant pis, hein, si j'ai pas assez de mémoire, la vidéo s'arrêtera, puis je ferai un montage pour relier les deux vidéos. Hein. Chut, reste calme. J'ai promis à Diana de te protéger. Pas courir, vas-y. Hein. Cours, putain. En tout cas, c'est très... Saint, saint, religion, lol. Voilà, bref. Dégueulasse.
D'accord. Je dois rétablir le courant. Sœur Marie attend au sous-sol. Je vous retrouve là-bas. Au revoir. Des nonnes. Merde, ils plaisantent pas. C'est rien comparé à ce qui nous attend si on trouve pas cette fille. Va voir s'ils ont quelque chose. Tu des ouais. Putain de nonnes quand même. Ouais, on est en train de chercher. Toujours rien. T'en fais pas, on va la trouver. Ouais. Ça marche. En tout cas, vu que là, vous êtes chiant. Parce que là, mon objectif, ce n'est pas de tuer quelqu'un, c'est de rétablir le courant. Donc si jamais vous me faites très chier, je vous égouille tous. D'accord? Je pense que dans le dernier épisode, on a assez prouvé que je savais me servir d'arme. Hein? Donc, voilà. Bonjour. J'ai tellement envie de les tuer, mais c'est... Ah, je me retiens. Parce que, en fait, il me saoule tellement. Je sais, ils m'ont rien fait encore, mais ça va pas tarder. Attends, il y a quelqu'un qui va se ramener là. Attends, c'est quelqu'un qui descend ? Attends. Active-le, putain ! Non, pas là ! Là ! Pas là ! Putain, mais... Casse-toi. Ouh là 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 là, j'ai chauffé, il m'a pas vu. J'avais pas vu qu'il était juste là, cet abruti. En fait, c'est pas plus mal que j'ai couru comme ça. Eh oh, non, je peux pas. C'est pas plus mal en fait que j'ai couru parce que comme ça, sinon j'aurais jamais su qu'il était là. Putain, je t'en ai coup de feu moi. Ça... Ok. Quoi? Merde. Putain. Putain. J'avais pas vu qu'il y avait un trou ici. Par ici. Je dirais pas. Oh, une souris. C'est quoi la souris? Le psychopathe, ça prend la souris. Merci. Oui, cassez-vous par contre. Merci. Eh ben, arrêtez de venir! Allez, attends. Attendez, je regarde, c'est pas quelqu'un qui vient derrière moi. Ils tuent des nonnes quand même, ils ont pas de pitié. Et heureusement qu'il y en a une qui a dit oh, dommage que les enfants ne soient pas là. C'est silencieux quand ils sont pas là, parce qu'imaginez, ils auraient tué les gamins. Bah, faut que je descende. Attends, quoi? Un déguisement de policier, ça me servirait à quoi? Ah, s'il vous plaît, merci, parce que j'avais l'épaule inversée. Enfin, l'épaule, vous m'avez compris. Oh ça, oui, ça je kiffe. Ah, je reviens là où j'étais au début. Ça, on va s'entendre, les gars. Ah non, non, attends, couteau, c'est tellement bien. Oh là là. Vous pouvez pas me rendre plus heureux. Plus heureux. Bon, alors par contre, ça... D'accord, quelqu'un s'est pissé dessus. Le problème, c'est que je dois aller là-bas, mais ils sont tous là, c'est con. Attends. Mais il y a une réunion ici ou quoi? Non, mais voulez-vous, comment voulez-vous que je passe là? Bon, après, une balle dans la tête, ça peut se régler, mais. J'ai juste 12 balles en fait. Il aurait pu répondre, ce con. Ah, c'est sûrement lui.
espèce de taré loup. Chut. Hop là. Là, y'a rien. Là, y'a rien non plus. Qu'est-ce que c'est ? Ah, d'accord, c'est là qu'on va pour remettre les fusils. Ok, d'accord. Au moins, je sais où c'est. Ah, attendez, ils sont tournés comment là ? Mais ils vont me voir. Ils sont chiants là, ils veulent pas. Putain, mais je suis obligé de passer là, c'est pas possible. Mais ils sont. Mais vous avez vu combien ils sont ? Tirez-vous ! Et vous voulez que je fasse comment ? Attendez, là je suis revenu au début. Ah oui, par là, tiens, je suis pas passé par là. Ah bah non, c'est là d'où je viens. Bah non, donc ça sert à rien. Bah attendez, je vais peut-être faire marche arrière. J'avais pas pensé à ça. Pff, ils sont peut-être tous descendus. Hein. En fait, attends, c'est toujours le même mec. Oui, c'est le même mec que tout à l'heure. Toujours adossé à sa rampe là. J'ai envie de te zigouiller, mais je m'en retiens. Non, c'est là-bas. Putain, le pauvre Ronan qui avait rien demandé, quoi. J'avais jamais vu ça. Hop, vas-y, go. J'avais jamais vu. Qui c'est ? Hochet ? Pourquoi il y a un hochet là-dedans ? J'ai bien fait de regarder. Vas-y, sors. Il est tourné. Cache-toi là. Arme visible, on s'en fout ! Là, c'est pas discret, là tu te fais repérer, tu te fais buter. Ok, le fusible est là-bas. Mais lui aussi, il est là. C'est quoi ça ? Il y a un flingue sur la table. Oula, attendez, je suis en train de... Putain... Attendez, lui, il est dos à moi. On cache pas le cadavre, vas-y, on n'a pas le temps. Lâche-le. Hop, vas-y. Putain, on n'a pas le temps. Il y a un armoire juste là, mais c'est beaucoup trop risqué. Non, je vais reprendre ça. Ok, donc là. Ah oui, tiens, attendez, merde. Juste là, ok. Deux secondes, faut juste attendre que lui se casse. Casse-toi, voilà, parfait, tourne-toi. Je récupère ça. Bien aimable. Hop, merci. Ok. J'ai trois fusibles, il m'en manque plus qu'un. Et il est là-bas. Un truc pour me soigner. C'est sympa. Ok, avec là. Là, il y a des gens. Oui, le fusible, il est là. Ah ok, je peux contourner, je suis obligé de passer. Oh merde, on a tout fait pour nous. On va être riche, putain. Ouais. C'est quoi la CDR pour le gré ? Qu'est-ce que c'est que ces pays ? C'est un bon deux. Je sais rien, mais ça fout bien. Reboussons. On retourne en arrière, on fait exactement le même chemin. Je suis très discret. La discrétion. Attendez, merde. Non, je t'ai caché là-bas. Non, tu m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. Hop là. Ok. On s'en fout. Allez, rentre là-dedans, dépêche. Ok, là. Je suis discret là, je suis discret, je suis concentré. Hein. Parce qu'il y a un mec là-haut.
toujours là. Donc attendez. Hop, on rebrouche chemin, je vous l'ai dit. J'ai un pistolet mitrailleur là, attention, ça rigole pas. Il n'y a plus personne ici. Hop. Voilà, ensuite, je passe par là. Hop, voilà, parfait. Et uniquement, voilà, c'est juste en face. Parfait. Eh, hey, je me souviens. Hein. Hop. Et on va remettre le courant. Voilà, parfait. Et eh ben, on s'en est pas trop mal sorti, je trouve. La discrétion. La discrétion, on a dit. Hein. Il a du sang sur la main, ouais, t'as tout ça. Mais t'as aussi tué une nonne. C'est cool! Voilà, maintenant mon but c'est de tuer l'autre, là, c'est de tuer Wade. On attend que Wade lui dise quoi faire. Alors, je sais pas comment on est arrivé ici. Ne me demandez pas. Mais non, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout, moi. Les flics attendent peut-être dehors. Tiens, pour ça, je crois qu'on ferait mieux plus que le camp. N'importe quoi. S'ils étaient là, on le saurait. Détends-toi, tu veux? Alors j'aimerais bien finir ça avant que... Bah avant d'arrêter la vidéo, c'est pas mal. Alors cassez-vous s'il vous plaît. Voilà. Yes, c'est parfait. Je sais pas s'il allait se retourner. Ouais. J'ai rien trop sûr. Là je traque Wade. Et je vais le zigouiller. Il a tué ma nonne préférée. Il était super sympa. Enfin non, c'est pas lui qui l'a tué, mais voilà quoi. Vous m'avez compris. À chaque fois je tombe sur un mur. Cool. Attendez. Ok, c'est toujours pas là. Là. En tout cas, il a mis Wade en pétard. On risque la chaise parce que ce taré a des comptes à régler. Moi fort, putain. Ferme-la, fais ton boulot. Fais payer pour ça. Attendez, on va pas aller au rebord. On va juste voir où ça mène. Monter. Enfin, en fait, ce qui me fait peur de monter, c'est de me faire voir plus facilement, en fait. Vous voyez, hop là, il monte. Laisse-toi. Aussi, ça, le mec, il reste bien debout, vous savez, genre coucou. Alors, toi, n'y pense même pas à monter. Putain, quelle bande d'enfoirés. Il y en a un là, donc je peux pas descendre là. Sinon il va me voir et je peux pas continuer là-bas parce que sinon lui aussi il va me voir. Et mon pain. Mon pain où je te jure, je te mets deux balles entre une. Il y a un autre chemin. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fout? Bon, lui il est adossé au mur. On s'en fout. Il tourne. Ok, il est tourné par là. Ah, il y a un renard ici. Non,
C'est pas vrai. Tu m'as pas vu. Oh putain, il m'a eu ce con. Tu m'attendais? Cool. Putain, c'est dégueulasse, vas-y. Tu m'attendais, c'est cool. Parce que moi, je vais te zigouiller. Le problème, c'est qu'on sait tellement ce qui nous attend. Regardez, regardez les mecs là. Regardez les mecs cachés là. Vous les voyez? Là, il y a Wade et là, ils sont cachés. Donc, on sait très bien ce qui va nous arriver, mais bon. Vous connaissez 47, hein? Mais what? Pourquoi il a pas tiré? Alors attendez, là, ça m'est jamais arrivé, ça. Attendez, pourquoi ça a pas tiré? Mais mec, il fallait que je vide mon chargeur? Attendez, c'est une blague ou quoi? Non, attendez, là, je suis jamais mort à ce truc et là, je meurs, bien évidemment. Attendez, mais il se foutait de ma gueule ou quoi? Là, il leur voulait tirer. J'ai pas compris, laissez tomber. Ce qui me fait rire, c'est que je lui ai tiré une balle dans la tête et il est pas mort. Le mec il fait son homme alors que c'est une vraie chiffre molle quoi. Alors la trick, comment dire? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la trick, bah, moi chercher, voilà, on va expliquer. Ah, je suis dégoûté. Si l'autre con là, il m'avait pas repéré, j'aurais pu faire un parfait, un perfect. J'aurais pu. Bref, on se regarde la cinématique puis après on s'arrête là parce que c'est ce que je voulais faire avant de finir. Par contre, je comprends pas pourquoi je suis mort. Là, je sais pas pourquoi il voulait pas tirer. Pourtant, j'ai. Je sais pas, fallait peut-être mettre deux balles mortelles dans la tête de Wade, j'en sais rien. J'ai pas compris. Bon bah. Les aléas du direct, hein, ça arrive. Mais bon, ça me dégoûte quand je joue de mon côté, je fais des trucs géniaux, et quand je joue au film, bah, je fais de la merde. Quoique là, je m'en suis pas trop mal sorti. Hein. J'ai tué personne, à part à la fin, parce qu'on est obligé. Mais... Voilà. C'était pas comme le dernier épisode, quoi. Dernier épisode, c'était tué, puis là, c'est la paix. Ah là là. Encore des flashbacks. Ah oui, encore lui, c'est vrai. Le mont rouge mort. Alors, le fameux Birdie. J'espère que t'as une bonne.
ici. Mais je suis là pour offrir mes services. Ce kidnapping que vous préparez, je crois que vous mesurez pas vraiment l'adversaire que vous êtes. Ça alors, tu t'inquiètes pour moi. Laisse-moi voir de plus près si ton visage m'inspire confiance. Dom est mort. Un petit cadeau du chauve. Ça veut dire qu'il vous faut un nouvel agent de liaison. Et qui serait mieux placé que moi pour ça? J'ai pas raison. Non, Birdie, t'as pas raison. Tu vois, j'ai déjà la fille. Ce qui veut dire que j'ai pas vraiment besoin de toi, pas vrai? Attendez, 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 pas la peine de s'énerver, je vous en prie. Écoutez, vous comprenez pas? Vous voulez le plus offrant? Alors laissez-moi m'occuper de la transaction. C'est ma spécialité. Birdie, tu crois que je suis pas capable de retracer tes appels sur ton portable, hein? Magnifique journée, non? Birdie, qui c'est? Ah, comment elle s'appelle déjà? Jade. Qui c'est, Jade? Allez vous faire foutre! Mauvaise réponse. Ah, j'adore ce pays. Un homme peut accomplir tout ce qu'il veut à condition d'avoir un cerveau et des coronets. Ok, 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 c'est une nouvelle recrue, l'agence. L'agence? T'es en train de me dire que l'agence est liée à Victoria? Ouais. Relâche-le. Ces gens sont vraiment dangereux. Si vous les cherchez, c'est eux qui vous trouvent. Mais si vous me laissez jouer les intermédiaires, réfléchissez, puisqu'elle compte assez à leurs yeux pour qu'ils envoient leur tueur. Ça veut dire qu'elle vaut des millions. Des millions. Je vais tenter ma chance. Tu peux y aller, Birdie. Tu m'as été très utile. Mais si je revois ta tête de Sam Queen, je me ferai un plaisir de t'enterrer aux côtés de nos pères fondateurs. C'est une promesse que je te fais. Et je tiens parole. C'est fini. C'est fini. Tu pourras pouvoir me quitter comme ça. Tu vas le regretter, crois-moi. J'ai une surprise pour toi. Ouais. Ouais. En fait, j'ai une surprise pour tout le monde. Content pour toi. Ouais, c'était un œil. Le levier de vitesse, c'est un œil. D'accord. Bien. Chacun ses goûts. Partie 2, bienvenue à Hoop. Hoop, hoop, hoop. On entre dans la deuxième partie du jeu. Voilà. Donc là, on est, pour ceux qui savent pas, on est venu dans ce bar pour pouvoir chercher des informations sur l'élite. Désolé, petit problème technique. Hein. Juste à la fin de la vidéo, j'en vois pas l'utilité. Bah, sinon, ce que je disais, donc on est venu ici dans ce bar pour pouvoir retrouver des informations sur l'ennemi. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire. Donc bref, donc sinon, j'espère que cet épisode vous a plu. J'étais très discret et très gentil cette fois, donc vous pouvez pas m'en vouloir. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Laissez des j'aime pas, des commentaires, abonnez-vous si vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 6 de Hitman Absolution. Allez, salut et à la prochaine. Et souvent, on arrête la caméra avant qu'il y ait un autre problème. Hein. Putain, je te jure, malchance.